yani kosa America yani wale ya ekosa bundutu ama Sudan ya Malongwe ama Uganda ya Malongwe Nigeria ama ngole ya ikisuki kare mbalo kuna iko kwa roba ya kuitema. Sudan has now become the epicenter of a collision between America and China. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui dans tous les cinémas du monde le cinéaste Hubert Sauper pour son nouveau film « Nous venons en amis » dont RFI est partenaire. C'est à la fois un film d'aventure façon Tintin Reporter, c'est une aventure, ça a été une aventure humaine périlleuse et nous en reparlerons. C'est aussi une réflexion puissante sur le néocolonialisme. Alors Hubert Sauper, Sophie, c'est un documentariste de renom. On peut même dire que c'est l'un des rares documentaristes au monde dont le nom est connu du grand public. Oui, bonjour Hubert Sauper. Bonjour. C'est surtout votre deuxième documentaire, Le cauchemar de Darwin, qui vous fait connaître du grand public en France. C'était en 2005, avec des séquences choc qui ont marqué les spectateurs. Vous montriez les ravages de l'exploitation industrielle par les Occidentaux d'un poisson, la perche du Nil, qui avait littéralement dévoré ce qui vit dans l'immense lac Victoria côté Tanzanie, mais aussi l'écosystème environnant, créant des emplois certes, mais détruisant l'environnement, et puis aussi lié au trafic d'armes. Bref, les ravages de l'ultralibéralisme et de la mondialisation dans cette Afrique des Grands Lacs. Immense succès critique et public de ce film. Alors, on pouvait penser qu'un tel succès allait vous ouvrir grand toutes les portes, vous faciliter les choses. Et puis, voilà, 10 ans ont passé. Pourquoi 10 ans entre Le cauchemar de Darwin et ce nouveau film, Nous venons en amis? Écoutez, je travaille des années pour à chaque film. La raison, c'est que je vais dans les territoires tellement difficiles physiquement et intellectuellement que ça prend son temps, ça prend une grande tranche de vie à chaque fois. Et puis le film montre aussi pourquoi, si vous voyez le film, montre aussi pourquoi c'était une entreprise aussi, aussi complexe et délirante en fait. Et pour ce film, Nous venons en amis, qui est un film sur quelque chose tellement énorme qui est quasiment pas possible de décrire dans un livre ou un film. C'est sur l'âme de l'Europe, sur la pathologie du colonialisme qui est encore vivante et sur, grosso modo, sur l'histoire de notre continent et du continent voisin, l'Afrique, et de cette dialectique qui nous connecte et qui est une dialectique très déséquilibrée, que tout le monde le sait. Et je pense qu'il y avait trois phases dans les siècles passés qui se ressemblent très fort, trois phases de l'histoire, qui étaient l'esclavagisme et la colonisation et la mondialisation actuelle, qui sont trois phases d'humiliation de l'Afrique. Et Le cauchemar de Darwin, mon dernier film, a décrit la dernière phase. Et maintenant, Nous venons en amis est une tentative de faire sortir par le cinéma les démons, démasquer les démons de la colonisation, on dit en anglais mindset, de la pensée, de l'état d'esprit, de l'idéologie d'esprit, presque. L'idéologie, voilà. Et des conséquences. Et d'ailleurs, on veut bien croire que cet esprit fait partie du passé, mais ce n'est pas le cas. Je pense que la division de l'Afrique est une phase clé de la colonisation, la division par les puissances européennes. Et pourquoi j'ai fait ce film au Soudan, Nous venons en amis, c'est que le Soudan, c'était la dernière épisode, le dernier acte de la division de l'Afrique, en fait. Il y a quelques années, donc il y a 4 ans, c'était encore le plus grand pays de l'Afrique, le Soudan, s'annonçait à se diviser en deux.
Et cette division était communiquée comme une nécessité de diviser les chrétiens et les musulmans, de diviser le sud et le nord, etc. Mais au fond, la nécessité de cette division, c'était une division, encore une fois, impérialiste, en fait. C'était... Enfin, oui, parce que vous dites que, en fait, quelques semaines après la création du Sud-Soudan, 30% du sous-sol et donc du pétrole soudanais avait déjà été vendu à des multinationales. Oui, après et avant, en fait. Souvent dans les zones de conflits et de guerres, les conflits sont menés à cause de ressources et aussi grâce aux ressources, c'est-à-dire il y a des compagnies, des États qui investissent dans les milices, dans les guerres civiles aussi, parfois cachées, parfois ouvertement, pour préacheter, par exemple, le pétrole qui est encore dans la terre. Et donc c'est une logique infernale et qui le problème est que cette logique est souvent camouflée par nos médias parce que nous les Européens ou les Américains ou les Chinois, ben, nous sommes capables d'écrire notre histoire. Nous sommes notre récit, c'est ça devient l'histoire. Mais quand on est sur place et quand on voit l'histoire à travers des yeux des gens au centre de l'Afrique, ça devient tout autre chose. You are going to spend the night here. Yeah. Why? And he said that why? What is the reason of spending the night here? Because it's in the night we cannot fly. It's impossible to fly at night. Ko woni gbaara me kan wa ci war be tie bi ko gbuton. Eh na o cha pa bang. That you are going with him. I think it is still a problem. So you take go to mo gra mo. It's dangerous. Mais l'excitation de faire un film, ou la nécessité hein, de faire un film, c'est aussi cette idée qu'on va montrer ce qui n'a jamais été vu avant. Et de fait, dans votre film, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Est-ce qu'il y a en vous ce fantasme aussi des grands explorateurs, des grands aventuriers, des Savarnians de Brazza, des Stanley, des Livingstone, peut-être même des Joseph Conrad, je ne sais pas. Oui, je pense que une chose qui est sûre, c'est on ne peut pas être au fond du Soudan et nier qu'on est européen. En fait, moi, j'étais avec mon petite équipe, un blanc de plus dans un monde où on a normalement rien à voir, en fait, qui n'est pas notre monde. Et d'ailleurs, Nous venons un ami est un film qui joue avec cette ironie et j'ai utilisé un petit engin volant. Que vous avez fabriqué vous-même, il faut le dire, parce que c'est quand même aussi une sacrée carte de visite, presque une façon de vous présenter à vos interlocuteurs, qui vous attire tout de suite la sympathie, la curiosité, la sympathie. Vous avez fabriqué quand même un petit avion, vous êtes aux commandes, vous le pilotez, et ça va vous permettre aussi de vous jouer des frontières. Ça, oui, en fait, le petit avion, c'était un élément clownesque et exprès pour ce film. Mais aussi, c'est un engin pour se rendre dans les endroits où on n'est pas forcément invité, dans les pétroliers chinois au milieu du désert. Mais on n'était pas toujours bienvenus, en fait. On était arrêtés pendant un mois en Libye, en Égypte. On était harcelés par les militaires, évidemment, parce qu'on appartenait pas forcément à ce monde, même si on avait des papiers de passage. Mais aussi ça faisait partie du projet de film, c'est-à-dire s'exposer à ce que j'appelle la pathologie du colonialisme, c'est-à-dire les uniformes, les armes, les gens qui marchent au pas, les règles, les lois, les frontières tout droit, tout ce qui est l'empreinte coloniale de l'Europe à l'Afrique. Je me suis pris en plein gueule, on dit, mais aussi pour le comprendre mieux. À un moment donné, on a dû s'assimiler à ce protocole. On était dans cet petit avion, c'était une espèce de boîte de conserve volante avec un petit moteur. Et on s'est mis nous-mêmes des chemises de pilote avec 4 étoiles sur les épaules. Alors, c'était complètement ridicule, mais c'est justement pour survivre ce monde militaire, pour
gagner pour être crédible. Du respect. Alors, Hubert Sopper, l'affiche du film, je la trouve très réussie. On voit un petit avion qui est votre avion, en fait, l'avion dont vous parliez tout à l'heure, hein, le fameux Sputnik. On voit des militaires qui défilent et puis un enfant qui a la trace d'une main blanche sur le visage. Ça veut dire quoi? Cet enfant a imité une tradition tribale. C'est-à-dire les guerriers se mettaient souvent au centre de l'Afrique des cendres sur le corps et sur le visage. Il y a plusieurs explications. Celle que je connais, c'est une manière de chasser les esprits ou les démons quand on a des cendres de quelque chose de brûlé sur soi. Et donc cet enfant, elle a mis carrément une main blanche sur son front et qui m'a évidemment attiré mon attention. C'était un petit moment dans le tournage du film. Il arrive aussi. Et il lève la main droite comme pour dire stop. On pourrait l'interpréter aussi comme ça, cette affiche. Ouais, on peut interpréter plein de choses. Il dit aussi, nous venons en ami, il dit bonjour. Et là, ces petits caractères chinois, ils ne sont pas complètement innocents. À côté du titre, nous venons en ami, ça veut dire quoi? Il n'y a pas grand-chose d'innocent dans ce film. Mais ça veut dire d'ailleurs, quoi? Les Chinois... Les Chinois font partie du film, d'ailleurs. Et « Nous venons en ami » est un titre cynique, je pense, ou ironique, au moins. Et « nous », ça veut dire « nous », tout le monde qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire « nous les Chinois », « nous les Européens », »,« nous les Américains », »,« nous les ONG », »,« nous l'ONU ». Parce qu'il faut le dire, hein, nous les missionnaires. Dans qui votre film, vous croisez tout le monde. C'est ça. Effectivement, les fonctionnaires de l'ONU, les missionnaires américains, voilà. Les Chinois qui travaillent dans les raffineries. Voilà. Et nous, inclusivement nous, les cinéastes qui tombent du ciel d'une boîte, un truc volant ridicule qui s'appelle Sputnik. Et donc c'est toute une, comment dire, tout un amalgame qui, la tentative de ce film, c'est d'écrire la confusion et la pathologie du colonialisme qui est encore vivante. It is easy to pick out natural resources and leave. We don't want to see a new colonialism in Africa. Only a mine there, you'll extract the energy. Hey, you want to dance? It's what God wants. But you know what the first requirement is for God to answer your prayers? First, you must allow Him to change your heart. We are literally and figuratively bringing light.